Donc maintenant que nous avons présenté tout le pliage, voyons la mise en œuvre avec Damien. Donc, Damien qui va être notre câbleur. Bonjour. Donc on va commencer par prendre les dimensions. Donc on mesure la distance. Et on la reporte sur la nappe d'étanchéité. Vous vérifiez éventuellement si elle est à la bonne dimension. Tu as découpé ta nappe d'étanchéité, tu vas faire comment pour la fixer au mur? Eh bien, très facile. Donc nous allons mélanger de la colle dans un seau, de la colle à carrelage, hein, la colle traditionnelle, et nous allons l'étaler donc avec un peigne, petit ou grand, aucune importance. Voilà, donc vous prenez votre colle et votre eau, donc vous mettez l'eau en premier. Vous ouvrez délicatement votre sac de colle et vous le versez dans l'eau. N'hésitez pas donc à bien mélanger votre colle puisque votre colle est constituée de différents éléments chimiques, du sable et du ciment. Et ensuite, la consistance de la colle doit être à peu près comme ceci. Donc d'abord côté lisse, c'est ça? Côté lisse, tout à fait, pour bien étaler votre colle et que la colle accroche bien sur votre support. Donc ensuite, une fois que votre colle est étalée sur votre mur, vous prenez votre peigne et vous peignez. Vous prenez le platoir en caoutchouc que vous avez vu dans le descriptif de l'outillage. Délicatement, vous rapprochez votre nappe sur votre colle. Vous la plaquez bien en bas au niveau de votre baignoire et au niveau de l'angle. Donc là, on tire un peu. Voilà, là on est bien. Vous prenez votre platoir et tout simplement, vous lissez. Et voilà, c'est fini. Donc finalement, c'est super facile. Très facile et en plus très efficace.